suis pas d'accord avec vous. Les moustaches en milieu urbain ne peuvent pas trouver leur place dans la société économique aujourd'hui. Les enfants vont être choqués un par un. On va plus pouvoir les éduquer plus tard. Qu'est-ce que ça va donner, monsieur? Je vais vous le dire, moi, tout ça. Il y aura la délinquance, le port du voile, l'alcool, la prostitution. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va s***er tous à la queue leu et les enfants avec. Et alors ça, c'est le drame. Mais moi, je dis que le port de la moustache est très important chez un homme parce que ça lui montre sa virilité et les petits poils et les grands. Oui, mais les grands poils, moi, j'en ai plein la quête. Oui, mais écoutez-moi, la moustache, moi, j'ai une mini-barbe, vous voyez. Moi, j'ai une mini-barbe. Mais... Oui, mais alors là, on retourne un peu dans le vieux discours et on n'avancera pas. Je vous dis tout de suite, on n'avancera pas du tout. Oui, c'est vrai, on n'avancera pas. C'est... Alors, monsieur Vrai, bon, s'il vous plaît, recadrez un peu les choses, là, ça va plus. S'il vous plaît, parlons des poils dans le nez, parce que c'est plus important, je pense. Ils sont pas beaucoup voyants. Oui, je pense bien que... Oui, nous sommes hommes aujourd'hui, et les poils sont pas voyants dans le nez. Hein. C'est viril, hein, pourtant, mais ça pique quand on a un rhume. Un gros rhume, hein, parce que bon, moi je suis là depuis 5 minutes de deux, ma mère est malade, elle a le cancer du foie, hein. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de lire quand même, c'est pas propice à l'événement, s'il vous plaît, c'est vraiment impoli, hein. Ou sinon je vous éternue à la gueule directement, je vous le dis, hein. Gauche, droite, moi je sais pas. Et vous, ils sont où exactement? Alors moi j'ai pas de polonais, mais j'ai du poil à la ch...